toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 6 décembre 2023. Je souhaite une belle fête de Saint-Nicolas à tous les Belges, à tous les petits-enfants qui ont mis leur assiette avec une carotte et un morceau de sucre pour l'âne. Et puis, et à la place, c'est bien Saint-Nicolas à apporter des jouets à tous ces petits, n'est-ce pas? Et puis, je souhaite aussi un heureux, une belle fête à tous ceux qui ont le prénom Nicolas. Voilà. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé bilan de vie et c'est avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution, eh bien, de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ce bel archange Jérémiel, eh bien, un des objectifs de Jérémiel est d'aider les âmes qui viennent de monter au ciel à réviser leur vie. Mais pas que, n'est-ce pas? Mais non, pas que. Il aide aussi les vivants à faire leur bilan de vie. Alors pour certains d'entre vous, prenez du temps pour être seul et demandez à ce bel archange Jérémiel, eh bien, de vous aider à revoir votre parcours de vie, votre apprentissage, ainsi que les habitudes que vous êtes prêt à abandonner, qui ne vous servent plus, et en quoi vous êtes reconnaissant dans la vie. Alors le message de ce bel archange Jérémiel, il vient vous dire, il faut du courage pour regarder sa vie en face. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, eh bien, vous sortirez grandi et apprendrez de ce bilan de vie. Je vous aiderai, à faire l'inventaire de votre parcours. Et c'est ainsi que nous évaluerons ce que vous avez appris et en quoi ces enseignements constituent des atouts majeurs pour aujourd'hui et demain. Nous prendrons aussi note des habitudes de vie qui ne servent pas votre plus grand bien et nous ferons des démarches pour les éliminer. Ce qui n'y a plus besoin d'être, laissez-le partir. Ça ne vous sert plus. C'est un magnifique message de l'archange Jérémiel. Faire le bilan de sa vie jusqu'à maintenant. Waouh, quel beau message. Merci Jérémiel. Et en plus, sollicitez-le, il vous aidera. Je termine avec les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Et aujourd'hui, j'ai pigé auto-guérison. Eh bien, quel que soit le mal pour certains d'entre vous dont vous souffrez, cette carte, elle vient vous indiquer que votre corps a la capacité, de s'auto-guérir. Ce message, eh bien, il est extrêmement positif. On vous demande de reprendre du courage et de considérer que votre maladie est une épreuve à surmonter, certes, dans votre parcours de vie et que vous devez réussir à en décrypter la signification. Vous avez cette maladie, cette maladie, le mal a dit
quoi? Cette maladie, le mal a dit quoi? Posez-vous cette question. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver ou de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule de ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. On va répéter 3 fois, je suis la guérison, je mérite la guérison. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Des petites prières de guérison avec les anges. C'est vraiment, ouais, moi je suis en extase lorsque je lis ces petites prières. Et puis, moi ça me parle ici, vous voyez? Ça c'est, voilà, c'est un truc qui me parle. Auto-guérison, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort. Portez-vous bien. À demain. Thank you.